Sabine. Ngasulu. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah, on est là. Et tu es toujours aussi rayonnante. Il faut t'avouer que le catéchiste a vraiment beaucoup de chance hein, d'avoir une sujette belle épouse. Qui est? Azibi. Bonjour. Apolline. Singam. Puis-je venir te voir un instant? Je ne t'ai jamais interdit l'entrée de ma cuisine. Ok, j'arrive. Apolline. Ok. Qu'ai-je encore fait pour que tu me reçoives avec autant de froideur? Même comme tu ne me réponds pas, donne-moi au moins de l'eau à boire. J'ai vraiment soif. Il n'y en a pas à côté. À côté où ça? C'est ici que tu viens demander de l'eau à boire. Pourquoi pas là où tu es allé verser ton bois? Moi, j'ai seulement transporté le bois pour aider mon ami. Et je l'ai déposé là où il m'a demandé de l'eau déposée. Où est le problème? Mais justement, c'est là-bas qu'il fallait demander de l'eau, pas ici. Je l'ai fait, mais seulement il n'y en avait pas. C'est pour cette raison que je m'adresse à toi, parce que j'ai vraiment soif. Il n'y en a pas chez moi non plus. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un et demander à quelqu'un d'autre de te payer. Apolline, comment peux-tu me refuser de l'eau à boire? C'est ici que tu viens ouvrir ta grande bouche pour réclamer de l'eau. Mais je ne... N'est-ce pas une femme comme moi qui se trouve dans l'autre cuisine là-bas? Est-ce que j'ai dit le compte? Est-ce que c'est normal que dans la cuisine d'une femme, il n'y ait pas de l'eau? Est-ce que je suis une femme? Pourquoi n'as-tu pas dit ça à ton ami? Que sa femme n'a pas d'eau dans sa cuisine. Et tu viens m'embêter ici avec des histoires d'eau. Alors là... Quand il s'agit de donner, vous donnez tout dans l'autre cuisine. Et maintenant qu'il faut réclamer de l'eau, on se souvient qu'Apolline est... Oh. Je ne te donne même pas une parole. Aïe, aïe, Dieu du ciel. Que je suis malheureux. Comment une femme qui m'est si chère peut me mener la vie si aussi dure? Si chère? Oui, Apolline, tu es ma femme, non? Si je te suis si chère, pourquoi ne viens-tu pas avec ton ami m'aider aussi de temps en temps dans mon champ? Comme vous le faites tous les matins dans l'autre champ. Engan. Oui. Vous aurait-on dit que dans mon champ, il n'y a même pas un seul arbre à couper? Et si c'était le cas, il n'y a-t-il aucun autre besoin dans le champ d'une femme qui nécessite la main d'un homme? Pourquoi me laisser faire tout ça toute seule? Je te comprends parfaitement. Si tu étais vraiment mon mari. Écoute, Apolline, j'ai dit que tu as pleinement raison. Mais ces derniers temps-ci, je suis un peu trop occupé. J'en parlerai en ta file. Je te le promets, nous trouverons une solution. Parce que moi-même, je trouve vraiment qu'il n'est pas normal que tu souffres comme ça pendant que je suis là. Je croirais quand je verrai. Je croirais quand je verrai. Thank you.
Tu as fini de préparer le serment du dimanche. Et le thème général porte sur les miracles de la guérison. Merci. J'ai vu que ta fille t'a apporté du bois. Oui. C'est gentil de sa part. C'est gentil. Oui. C'est vraiment gentil. Oui. L'autre jour, il t'a même apporté un lièvre. Il ne m'a pas apporté un lièvre. Il nous a apporté un lièvre. C'est ce que je dis. Il est gentil. Il est même trop gentil. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un problème? Mais où veux-tu en venir? Il s'occupe un peu trop de nous, alors que sa femme est abandonnée à elle-même. Il ne la regarde même pas. Ta fille et Apolline ont leurs problèmes. Nous, on ne va pas s'immiscer dedans. Encore nous, toujours nous, tout le temps nous, mais il peut bien s'occuper d'autres personnes. Je me pose des questions. Que veux-tu que moi je te dise? Il faut peut-être les lui poser à lui-même.